je vais donner cette note pour Eric Casimir, alors que là nous allons assister au retour d'une revenante, Ludivine Furnon. Souvenez-vous, l'année dernière, elle était championne d'Europe à Bercy, et puis tout s'est brisé d'un seul coup puisque elle s'était fracturée un cutos dans le pied et elle n'a pas pu participer aux Jeux Olympiques. Patrick, elle avait participé mais juste sur un agrès, malheureusement pas son bon agrès, mais elle était bien dans cette équipe de France aux Jeux. Et surtout, ce qui est remarquable, c'est qu'elle engage aujourd'hui un troisième cycle olympique, et c'est très très rare pour les jeunes filles. On appuie double arrière carpé. Hop, petit rebond, arrivé jambes tendues au sol, avec une pause de main malheureusement. Pénalisé bien sûr. Pour la dernière acrobatie en la suite, double vrille et demi, et c'est encore une chute Ludivine qui nous apparaît un peu plus fatiguée que lors des qualifications où elle avait pris de manière justifiée la tête de ce concours au sol. Dommage. Ludivine, dont c'est la spécialité puisqu'elle est championne d'Europe. Ah, c'est agréable. Mais c'est vrai qu'elle a hésité à arrêter la gym, à la reprendre. Finalement, elle a repris. Et puis après, il y a eu plusieurs arrêts et reprises. Oui, il y a eu une petite période d'incertitude, voilà. De doute après les Jeux Olympiques. Elle ne savait plus très bien si elle était motivée pour poursuivre. Et après réflexion, elle a choisi de revenir au sein de cette équipe de France